Samedi matin, vous le voyez, nous sommes au pied du barrage de Grandjean après les pluies diluviennes qui sont tombées ce vendredi après-midi sur la Loire et la Haute-Loire. Vous l'avez vécu cette nuit, deux vannes du barrage de Grandjean étaient ouvertes. Et là, vous le voyez, ce samedi matin, beaucoup de badauds qui viennent voir les trois vannes ouvertes. On va descendre un petit peu plus bas, voir la situation dans la commune voisine de Saint-Just-Sarembert. Vous le voyez, nous sommes à Saint-Just-Sarembert et la conséquence de l'ouverture des trois vannes du barrage de Grandjean, une Loire qui a pris ses aises.